bonjour à toutes et bonjour à tous, et plus particulièrement aux camarades du comité d'Aubervilliers et aux camarades de la ville de Paris, du comité commune. La commune de Paris a donné le droit de vote aux femmes, s'il me semble, et aux étrangers, avec des élus mandatés irrévocables. En France, le droit de vote des femmes s'est fait en 1944, et le droit de vote des étrangers n'est resté qu'une promesse de Mitterrand et Hollande. C'est le peuple, par la démocratie directe, qui dirige la ville, et non la bourgeoisie. L'Union européenne, avec ses commissaires non élus, édicte des directives qui asphyxient les choix nationaux des peuples européens. Par exemple, la loi travail, la fermeture des bureaux de poste, les réformes dans les hôpitaux, j'en oublie certainement, il y en a tellement que d'autres camarades en ont parlé. Le peuple avait pourtant voté majoritairement contre la Constitution européenne en 2005, et on a vu le résultat. Vivement un Frexit, comme cela s'est produit grâce au vote de la classe ouvrière britannique. La Ve République, avec le 49-3, fait du prince, nous impose la loi travail, alors que nous sommes des millions à avoir lutté contre, selon les sondages. Une majorité de Français s'y opposait. Ce n'est qu'un exemple. À Paris, la mairie socialiste, la maire, Madame Hidalgo, une frondeuse, mise en place par son prédécesseur, le social-libéral macroniste Delannoy, souhaite obliger les salariés de la ville de Paris à se déclarer grévistes 48 heures avant le début des grèves, pour mieux contrer toute velléité de lutte. Nous sommes toujours sous l'état d'urgence permanent. Nous subissons une répression du mouvement social avec plus de 1500 procès touchant des jeunes, des chômeurs, des étudiants. Ne parlons pas des violences policières, ce serait bien trop long. Alors pour conclure, ah ben l'Union européenne et la Ve République bonapartiste, vive la Commune de Paris, vive la lutte de classe. Vive la démocratie directe, le véritable communisme ne peut être que libertaire selon moi.